Bonjour à tous, ici Fun Retro. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 10 astuces afin d'économiser au maximum la batterie de votre iDevice. Donc cela fonctionne sur iPod Touch, sur iPhone et sur iPad. Alors, première astuce, le Wi-Fi. Il est grandement conseillé de le désactiver quand vous ne l'utilisez pas. Donc, vous le désactivez. Deuxième astuce, le Bluetooth. Vous le désactivez quand aucun appareil n'est jumelé avec celui-ci. Troisième astuce est de réduire la luminosité de votre iDevice. Vous réduisez comme bon vous semble. Quatrième astuce, désactiver les notifications push quand celui-ci ne vous intéresse pas. Exemple, si vous n'utilisez pas FaceTime, je vous conseille de faire comme moi, de désactiver. Voilà. Car une notification push est constamment reliée à Internet, ce qui consomme énormément de batterie. Ensuite, il est conseillé de désactiver le service de localisation. Ensuite, dans Mail, si vous avez plusieurs comptes que vous ne vous en servez pas, par exemple, je vous conseille de les supprimer et de vérifier dans Nouvelles données push si vous avez bien mis manuellement. Sinon, il va checker vos mails toutes les 15 ou 30 minutes ou bien toutes les heures, ce qui peut poser problème sur la batterie. Ensuite, dans musique, il est conseillé de désactiver l'égaliseur, comme ceci. Ensuite, sur un iPhone, donc là j'ai un iPhone, donc je ne pourrais pas vous montrer, vous allez dans Général, Réseau, il est conseillé de désactiver la 3G de temps en temps, quand vous êtes juste en Edge, par exemple, parce que la 3G consomme vraiment beaucoup beaucoup de batterie, donc mettez-le le plus souvent possible. Donc ensuite, quand vous n'avez pas énormément de réseau, je vous conseille de passer en mode avion, cela désactivera le Wi-Fi, le Bluetooth et autres. Et pour finir, dans Général, dans Verrouillage auto, je vous conseille de mettre le minimum, donc 1 minute. Donc voilà, c'était iPhone Retro, merci.